l'instant que le président de la République, Macky Sall, n'est pas le candidat, qui n'est pas APRT, qui est responsable, a le droit de candidat. Maintenant, nous, au niveau du département de Poror, qui est responsable, qui est coordinateur de l'APR, c'est Abdoulaye Daouda Diallo, qui, avec le président de la République depuis 2012, qui a gagné toutes les élections de 2012 à 2022, qui était la tête de liste départementale des élections législatives de 2022, bi ñu passé mu gagné ko au la main ba ñu xam nañ tay bu dul won Poror tay majorité bi ñu am au niveau de l'Assemblée nationale liñ fa am astoute tay bu dul won l'électorat de Poror duñ ko am légui bu fekké nak Ablaye Daouda tay néna mom dafa bëgg nek remplacer Macky Sall ñu yaakaarne amna légitimité bi amna vécu bi sur le plan historique, sur le plan politique et sur le plan institutionnel. Parce que définitivement. Institutionnel, mon le meilleur, Macky Sall, mon côté. Ouais, d'accord. Quand je parle institutionnel, moi, par rapport à l'expérience, il m'a appris mon dieu. D'ailleurs, c'est quelqu'un qui a su donner corps aux visions à la vision du président de la République par rapport à département ministériel, il m'a dit. Il m'a dit intérieur, il m'a dit infrastructure, il m'a dit finance, budget, etc. Donc, tay di ni koku nonou bu fekke ne neena dafa bëgg bu président baye ñu jappalé ko pour mu wutu président de la République ñun en tant que fils du département de Poror en tant que militant de l'APR aussi dañ ci japp ñu ko ci jappalé parce que ñu jappané aussi yello nako té gisunu tay au niveau de l'APR ku ko gëna yellol mom Ablaye Daoud gisunu ko. Parce que nak nit ki nak boy and la kuy gagner Ablaye Daouda à la différence des autres mom day gagner rek day gagner rek yakar na koko aussi buñ ko joxe mbir mi inshallah président de la République ak wa APR ak coalition benno bok yakar dinañ ci gis kan mo doon gagner le dernier mot revient au président de la République. Nous, en tant que républicains, le président a décidé de qui l'attend, nous sommes ici.